Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'on peut. Wow, non. Ok. Alors j'ai perdu toutes mes peintures. Je peux juste me battre. Oh. Je me rappelle de toi. Je peux défoncer ça? Bon, on dirait qu'il faut que j'avance. Ah, et toi aussi! Mais c'est trop classe quand même. Gâché. C'est vraiment trop classe parce qu'ils sont vraiment tels que je les ai faits. Allez, on va direction le phare, j'imagine. Bah oui. Qu'est-ce qui est arrivé au phare? Bah, ça va être compliqué d'y aller, non? Faut regarder par là. Super. Comment je vais traverser? Chloé, du bateau! Ben voilà. Les copains! On me dépose? Super, une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, c'est pas mon meilleur jeu, mais c'est un jeu qui est très positif, très, je sais pas, mais qui met pas forcément de mauvaise humeur. Enfin, on ressent des choses, mais on ressent plus de la joie. Et c'est assez, voilà. Enfin, c'est. Et puis c'est très beau, quoi. Enfin, il y a une direction artistique sur laquelle moi j'accroche beaucoup. Comme des spaghettis. On dirait des spaghettis d'ailleurs. Tout fin. La ferme. Venez les gars. Ah, au fait. On a trouvé ça en chemin. Tu veux sûrement les récupérer. Merci. Pas là là! C'est là que ça commence. Alors, il y a des. Il est forcément Je peux pas quelque peindre. part. Si. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou. Bah merci, c'est gentil, mais c'est pas vrai. C'est bon, ça s'allumait d'une certaine couleur, donc tout va bien, je juste. C'est pas fini. Les mouettes, elles sont un peu à l'arrache. Tu n'as pas peint ici. Merci de me le dire, c'est vrai. Ok, c'est rigolo ça. On peut faire des kanji. Ouais, enfin, si on est doué. Ok. Ouais. Et ici alors? Tu devrais peindre cet espace, tu crois pas? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors. Ça, c'est cool, ça remplit bien. Donc là, c'est bon. Ça fait tout de suite beau. Non, c'est pas complet. Tu devrais mettre de la peinture ici. Mais où? Alors attends, qu'est-ce qu'on a là? Alors, le truc, c'est que j'ai mis tellement de. C'est bon. C'est que ça remplit tellement le truc blanc là que après on voit plus. Ok. C'est pas fait pour. Juste décoré quoi. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? À gauche, le bateau là. Ah oui. Hey mec, tu pourrais peindre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est trop génial.
Ouais, mais cet arbre qui tombe, pas trop. Donc c'est bon, on a fini. Super. Bah ça, c'est vraiment dégueu. Mais là, on a un paysage très, justement, très montagne. C'est super sympa. Ça Ce a qui serait marché. cool, c'est qu'il y ait Il n'y a plus qu'à un entrer. côté bac à sable, un côté créatif, t'as un mur blanc et puis tu fais ce que tu veux. Ça pourrait être sympa. Je vais rester avec toi. Ok, H. Bien sûr, Froggy. Mince, il fait sombre ici. On Tout a des ira bien. torches, ça va les gars? Ça sent pas bon non plus. C'était moi. Tant que c'est juste un P. Calme-toi, frangin. Elle te plaît. Alors. J'y suis peut-être allé un peu vite. Pas de quoi s'inquiéter. On Je peut aller crois que. là et là. Alors, est-ce que la carte va nous aider? On peut pas aller là, donc je vais y aller. Je vous ai déjà raconté que j'étais un peu claustro, au fait. Hein? Ah, je comprends pas. Ok, c'était peut-être par là qu'il fallait aller du coup. Non, mais il y a des... Ah oui, d'accord. Il y a des endroits où on peut pas courir. C'est trop loin. Comment faire pour traverser? Et si on construisait une rampe? Une rampe? De quoi tu... Mais... Oh, j'ai compris. Allez. Ouais, ok, il manque pas grand-chose. J'avais su, j'aurais appris à nager. Ben voilà, il manque ça. Wouhou! Les gars, je dois continuer. On va essayer de trouver un autre chemin. Sois prudent! Pas de soucis. Alors. Ah merde! Sois prudent! Ah, venez m'aider! Oh, l'eau est super sale! Ok. Ouf! Ok. Monte, monte! Ah, ben le voilà! Donc là, on a la panoplie complète, on peut tout faire. Splotch? Swoosh? Ils sont plus là. Tenez bon, j'arrive. Ok. Un petit boss, j'imagine. C'est un bel endroit pour se battre. Ok. Oh non. Qu'est-ce que cette chose t'a fait? Ok. Un bouclier de feu. Ah, lui, il fait tout. Waouh. Je l'avais pas vu venir. On a réussi. Je suis un peu occupé, les gars. C'est moi qui écris les dialogues. Je peux rien faire en fait. J'envoie du lourd. Bon.
super peinture prête. Tourne-toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ce sera mieux comme ça. Rien. Il m'a bien défoncé. Allez. Quoi? Mais où je suis mort? Putain, j'allais dire justement, bon, c'est pas très compliqué. C'est sûr que c'est pas compliqué, mais là, pour le coup, j'avais du mal à voir sa zone de dégâts et je me suis fait défoncer alors que pour moi, j'étais très à l'aise, quoi. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Mais c'est vrai que les combats, ils sont pas très, forcément très bien réussis. Il ne revient pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Mince, je suis mauvais, je le rate. Putain. Waouh. Oui, je sais, on s'est déjà vu. C'est bon. Prêt à utiliser la super fin. Là c'est du feu. Oh, il va me défoncer. Mais tu veux tomber? Super peinture chargée. Non. Allez. Putain. Plaisante pas. D'accord, il faut que je fasse du feu quand même. Aïe. Mais ça te fait quelque chose. Allez, c'est la fin. Mais tu tombes, c'est bon. On le défonce, on le défonce. Ok. Allez. Pas de geste brusque. Super. Ne bouge pas. Bon, j'avais vraiment pas envie de recommencer.
Bon, c'est assez cool quand même de voir les génies tels qu'on les a faits, parce que certes, ils sont pas parfaits. Et ils ont même plein de défauts, mais c'est les nôtres, alors du coup, bah, on s'y attache, quoi. Les gars, je vous présente Luna. C'est grâce à elle, le pinceau, les peintures, les génies, tout ça, quoi. Elle a l'air de penser que c'est toi, Ash. Enfin bon, enchantée, Luna. Alors c'est à toi qu'Ash a promis qu'il nettoierait Denska? Eh ben, j'aurais aimé que tu vois ça. Ces peintures étaient... Luna! Je dois empêcher ces ténèbres... Qu'est-ce que je dois faire? Oh putain! Oh putain! Mais je suis mauvais là, comment? Ok, j'ai un truc là. Oh putain, faut que je change. C'est nul! Ok. Et combien de temps ça va durer? Parce que... J'avais vu un truc bien. Ah! Ma touche est coincée! Ma touche est coincée! Non, je vais mourir. Ah putain, je vois pas. Je viens de comprendre. On recommence. J'avais pas vu qu'il y avait les motifs. Ah, attends, ils sont gentils. Non, je peux plus. Je peux pas nettoyer. Ah, ça va. On va y arriver. Le champignon gelé, il est là. Qu'est-ce que tu veux après? Un caillou. Ok. Des feuilles. J'avais pas capté qu'elle me mettait des... Faut dire que blanc sur fond blanc, les gars. Des étoiles. Eh oui, là, c'est la couleur. L'onde boréale. Super peinture chargée. Et après... Ok. Oh, je peux tout dessiner. C'est trop cool! Je veux un arbre! Ok. C'est assez moche. En plus, ça doit être fait dans l'urgence, donc du coup... du coup, c'est très très moche. Pensez que les gens vont revenir maintenant? Ben pourquoi pas. C'est plutôt... sympa, en fait. Eh, mais... Je viens de réaliser, on est 6 maintenant. Et
Et ben on va enfin pouvoir jouer au basket avec deux équipes égales. Ah ouais. En fait, je te comprendrais si tu voulais plus jamais nous revoir. Mais après tout ce qu'on a traversé... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Ash? Tu dirais quoi d'un petit 3 contre 3? Ah bah allez. Je crois qu'il préfère peindre, Chuck. Je préfère le foot en vrai, mais c'est pas grave. Je suis bien chaud pour un basket. Hein. Ou faire des gâtés à un bateau. Peut-être qu'on peut faire les deux. Ouais. Bon, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Ce qui est dommage, je vais essayer de faire un truc très structuré parce que ça part dans tous les sens dans ma tête. Ce que je regrette, c'est quelque part sa durée de vie. Il est court, alors c'est pas grave un jeu qui soit court, mais sur le dernier chapitre, on a cette compétence avec son de combat en fait, et du coup on s'en sert que sur ce chapitre-là, et c'est tout. Pour aller taper un boss, hein, du coup, mais voilà. Donc c'est dommage, ça aurait pu être plus creusé. Ça aurait pu être un jeu un peu plus long avec une partie combat, une partie peinture. Surtout que en combat, comme il faut appuyer sur L2 R2 en même temps pour déclencher la super peinture et que R2, bah, ça nous ouvre le pop-up des peintures. Du coup, voilà, les contrôles auraient pu être mieux pensés. Après c'est voilà, c'est simple, ça va, on progresse vite. Donc je sais que voilà, ceux qui vont aimer la difficulté et la réflexion, bah, c'est pas ici. Mais après tout ce qui va contrebalancer pour moi justement tout ce positif, et il y en a beaucoup. Déjà bon, je trouve que voilà, c'est un jeu qui est super bien réalisé, c'est beau. Bon ça, même si c'est subjectif, mais moi la direction artistique je la trouve vraiment efficace. Le système de peinture aussi est super original, enfin, même si on a pu voir un Epic Mickey, je crois. Il y a d'autres jeux comme ça où on peint un peu, mais là voilà, qu'on puisse créer nos génies, leur donner vie et tout, c'est assez sympa. Et bah, c'est quand même très fluide. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de temps mort, on se fait pas trop chier, ça avance. C'est maîtrisé. Voilà, on passe 5 heures, mais bien maîtrisé. Et je ne sais pas ce que vaut les autres langues, mais en tout cas en français, j'ai trouvé ça très crédible. Et pas du tout mal doublé ou mal traduit, enfin ça s'est super bien passé. Et sur l'ambiance générale, on a un côté un peu Stranger Things. Mais pas trop. Enfin voilà, j'avais comme l'impression d'être bombardé de références, d'inspiration. Et donc bah, rien que pour ça c'est super. Enfin voilà, donc c'est quand même un jeu voilà, qui a ses défauts. Et justement mon objectif de base c'était de comprendre pourquoi il avait 14 sur 20 et chez les testeurs de jeux vidéo, et pourquoi 18 sur 20 par les fans. Je mettrais pas 18, clairement pas, enfin de toute façon je mettrais pas de notes, mais je trouve que 14 c'est un peu injuste. Voilà. Parce que oui, c'est un jeu court, oui, c'est un jeu qui n'est pas parfait techniquement, et bien sûr qu'un Final Fantasy XV sera beaucoup plus beau que ce jeu-là, mais c'est un peu sévère de dire que c'est un jeu moyen plus. Voilà, moi je trouve qu'il a une histoire à raconter, qu'il a un beau double sens d'écriture sur l'écologie, sur le fait de mettre des lumières dans sa vie, de voir donc les choses de manière positive et pas négative. Enfin voilà, il y a une belle écriture au premier degré, et il y a un bon second sens aussi, à mon sens, justement. Donc c'est pour moi une bonne expérience, qui mérite ces 15€, alors peut-être pas 30, parce que sur le PSN il est à 30€, mais là vous pouvez le trouver en magasin à 15€, voire gratuit sur le PSN, si vous l'avez eu à ce moment-là. Voilà, donc ça reste quand même pour moi quelque chose de positif, et je suis content qu'il soit sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'est la fin, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces épisodes autant que moi j'en ai pris à jouer à ce jeu. Je vous dis à bientôt pour la suite, ciao !